Bonjour à tous, c'est Gabin et Lily. On espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui Gabin, on va faire un pumpkin art challenge. Exactement, en fait les amis, le concept est extrêmement simple. Aujourd'hui nous avons des petites citrouilles en fait. On a trouvé des petites citrouilles. Que celles-ci, l'année dernière, elles étaient un petit peu plus grosses. Et nous avons des petits ustensiles trouvés très simplement à Jiffy. Ne nous démonétisez pas, c'est pas des grosses armes de ouf hein, c'est des tout petits trucs pour sculpter les citrouilles. Le but est très simple, nous allons faire un petit rond ici. Nous allons vider la chair de vider toutes les graines. Et après nous allons avoir des modèles. Moi j'ai choisi le mien. Et là nous avons des petits modèles. Moi j'en choisirai un. Et on va le mettre dessus. Et après on va devoir piquer avec nos couteaux pour pouvoir reproduire ce modèle. J'espère que vous avez compris, on espère faire des très très belles citrouilles. D'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné au compte Instagram sur lequel on vous fera voter pour la meilleure citrouille à la fin de cette vidéo, c'est gabalili.yt, c'est très simple. Ainsi que notre compte Twitch sera dans la description. Écoutez les amis, c'est parti. Pour on commence par avec quel couteau en fait? Égal, non, ma citrouille. En fait c'est que de la chair. Mais comment on fait? Mais non, pas comme ça. On trouve comme ça là. Je me souviens une année, bah l'année où on l'avait fait, en fait on avait tourné le couteau, tu te souviens pas? Genre on l'avait troué. On avait cassé le couteau, ouais. C'est trop galère. La lame elle va se couper. Bonjour à tous, c'est Gabin et Lily. On espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui Gabin, on va faire un pumpkin art challenge. Exactement, en fait les amis, le concept est extrêmement simple. Aujourd'hui nous avons des petites citrouilles en fait. On a trouvé des petites citrouilles. Que celles-ci, l'année dernière, elles étaient un petit peu plus grosses. Et nous avons des petits ustensiles trouvés très simplement à Jiffy. Ne nous démonétisez pas, c'est pas des grosses armes de ouf hein, c'est des tout petits trucs pour sculpter les citrouilles. Le but est très simple, nous allons faire un petit rond ici. Nous allons vider la chair de vider toutes les graines. Et après nous allons avoir des modèles. Moi j'ai choisi le mien. Et là nous avons des petits modèles. Moi j'en choisirai un. Et on va le mettre dessus. Et après on va devoir piquer avec nos couteaux pour pouvoir reproduire ce modèle. J'espère que vous avez compris, on espère faire des très très belles citrouilles. D'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné au compte Instagram sur lequel on vous fera voter pour la meilleure citrouille à la fin de cette vidéo, c'est gabalili.yt, c'est très simple. Ainsi que notre compte Twitch sera dans la description. Écoutez les amis, c'est parti. Pour on commence par avec quel couteau en fait? Égal, non, ma citrouille. En fait c'est que de la chair. Mais comment on fait? Mais non, pas comme ça. On trouve comme ça là. Je me souviens une année, bah l'année où on l'avait fait, en fait on avait tourné le couteau, tu te souviens pas? Genre on l'avait troué. On avait cassé le couteau, ouais. Galère. La lame elle va se couper. Faites attention si vous reproduisez ça chez vous avec votre petite soeur. Et si elle s'appelle Lily aussi, fuyez. Moi c'est reproduit par un professionnel. Et parce que je la connais depuis 13 ans, donc je sais très bien qu'il faut s'éloigner normalement à plus d'un mètre quand elle utilise ce genre d'outil. Attends, oui c'est vrai, ça pue la citrouille. Et attendez, ça hop pue pas la citrouille. Maman, faut prendre un saladier. Oh, ah ça chingue la citrouille. Tu peux nous prendre un saladier s'il te plaît? Ah si, ça pue. Ça a pas une super bonne pourquoi odeur. Pourquoi tu coupes ça? On s'en fiche. On va l'enlever, on enlève tout. Mais ça faut garder ça. Pour le reboucher à la fin. Purée, regarde comment j'ai mal découpé. le vieux découpage. Dans ma tête c'est vas-y, on va enlever. Regarde comment j'ai découpé. Ah c'est ça tes saladiers. Wow. La fumée elle part tout là-bas. Voilà, on creuse tout ça. Ah ça me dégoûte les filles. Ça se veut pas s'enlever maman. Oh, il se fait attaquer par la citrouille. Alors attention. Ah bah, je vais déjà commencer à me couper. Donc ça y est, Lily qui se charcute les doigts carrément. J'essaye d'avoir une logique qui... Oh, je fais tout lâcher. Une fois. Ça veut pas, hein. Ça sent pas bon la citrouille, non, hein. Non, ça pue genre. N'hésitez pas à ne pas nous dire dans les commentaires parce qu'on les a pas sur cette chaîne. Si vous aimez, on les a. Bon bah quand je suis là, quand je remonte le niveau de cette chaîne, vous avez les commentaires. Donc n'hésitez pas à nous dire que si vous aimez pas la citrouille. Si vous l'aimez, on s'en fout, hein, mais on veut juste savoir si vous l'aimez pas. Mais elle est pas garnie du tout la citrouille. Ouais, on a l'impression qu'elle est un peu vide, hein. Mais je crois que c'est des citrouilles faites exprès un peu. Et déjà collantes. Ouais. Tellement galère ça. Bon bah je crois qu'il va falloir mettre la main dedans. Là j'ai rentré la main, je crois que je vais pas la ressortir, hein. Bon, ma citrouille, les gars, elle est à peu près pas trop mal. Lily, je sais pas ce qu'elle fait, elle galère un peu. Moi, ma citrouille, elle est bien, l'ouverture, elle est parfaite. Je vais me comparer à sa citrouille. Pourquoi elle est bien? Ah non, mais elle est pas du tout vidée, sa citrouille. T'as mal fait ton travail comparé à moi. Bon, alors, jeune population qui nous regarde actuellement,
Les amis, là on est chaud de ouf. Moi. Là on va sculpter de la citrouille là. Vas-y, c'est bon aussi moi. Hop, moi je vais faire celle du milieu là. Vous allez voir, vous allez avoir la surprise, elle claque. Hop. Mais alors là les gars, regardez le visage de ma citrouille. Ça va être très simple. Il va être complètement tout détraqué. Oui, je vais scotcher. Mais en fait, attends, faut scotcher carrément le papier en entier. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'en fait, j'ai plus qu'un seul œil. Mais pourquoi tu fais à l'envers? Ça sert à rien, on me trahit. Mais pourquoi elle coupe à l'envers? Je coupe pas à l'envers. Mais elle a mis le papier que... Je veux bien le scotcher du coup, moi. Bah quoi, regarde, ça commence super bien. Je vais pas dire quoi. Hein. Alors... Alors les amis, on a déjà fait ça, mais c'est pas pour autant qu'on est des experts en la matière. C'est un peu n'importe quoi comment je scotche là. Oh mais comment c'est possible? Un papier carré avec des pliures bizarres à scotcher. C'est un peu particulier. Attendez qu'on... On finit de scotcher nos petits trucs là. Mais en fait, faut enlever les formes. C'est bien non? Ça pète. Voilà, merci. Est-ce que genre ça s'enlève un peu? Attendez, là c'est critique là hein. Hop là. J'ai fait un super bruit. Bon, voilà, faut pas voir, il y a un petit défaut là. Faut pas voir. T'as vu, c'est bien. Faut tout sauf regarder. Bon là, il y a un tout petit défaut mais... Ok, moi je suis reparti, écoutez. Okay. Waouh. Carrément l'effet de maman. Petite référence à l'autre vidéo de Lily, n'hésitez pas à aller la voir du coup. Elle me l'a mis où mon scotch? Derrière ma citrouille. C'est un danger ma soeur. C'est tellement bien, ça me relaxe. Ça me relaxe. Ça a des foules de planter le couteau dans la citrouille. Je sais plus si je l'ai déjà dit. De faire attention si on fait ça chez soi. Non, parce que on manipule quand même des armes dangereuses. Est-ce que c'est le type bien qui coupe? Je trouve que je m'en sors plutôt pas mal hein, jusqu'ici. Hop. Et là. Je sens que je vais me le prendre dans la tête. Oui, c'est pour ça que j'ai arrêté. Et voilà. Regarde, j'ai deux yeux. Moi pour l'instant les gars j'ai un seul œil. Donc c'est pas ouf. Mais attendez. Les gars, hop, là on a deux yeux. Non. Un peu du démon. Et là le nez. On se met comme ça. Les carpilles. Il va falloir qu'après on repaufine un petit peu. Hein. Pour l'instant c'est grossier. Hein. Enfin grosso merde quoi l'histoire. Hein. C'est pas beau. Hein. Là pour l'instant c'est pas... Wouh. Ouais. Hey. Yann. Attention. Là j'invente là. Hein. Non, elle a un saut de attends, côté. Attends, je vais faire ça des deux côtés. ça va être le démon. Non, parce qu'elle n'était pas assez affreuse. Ah, ok. Mais affreuse dans le sens... Moi, elle sera rigolote avec son truc tout zarbi, là. Ouais. Oh, en fait, elle est carrément trop belle. Mon modèle à moi, les gars, il est incroyable. Regardez, moi, en plus, le truc dessus, on peut le mettre... Oh. Bon, on peut le laisser tomber dedans. Hop. Bon alors attendez, là déjà je vais la mettre là, je vais vous la tourner pour que vous puissiez l'admirer. Bon les amis écoutez, nos citrouilles sont terminées, pour l'instant on vous laisse patienter encore un tout petit peu avant qu'on mette des petites bougies, des petits trucs qui s'allument à l'intérieur. Et du coup pour ça, bah, en fait parce que actuellement, si vous voulez savoir un petit peu une notion de l'heure, il est 15h15 les amis, donc du coup on va attendre encore à mon avis bien... Environ 5 heures que la nuit tombe bien comme il faut. On va mettre, une fois rentré à la maison, des petites bougies à l'intérieur pour que ce soir vous puissiez voir le démon de ma citrouille. Et Pinocchio pour Lily du coup hein, la petite citrouille qui fait pas peur. Pour l'instant ça s'est bien passé pour nous. On espère que ça va vous plaire. Moi je suis trop contente et jusqu'à que j'ai vu la fin. Rendez-vous tout de suite bah, pour le résultat de ce soir. À dans 5 heures, à tout de suite. Et en attendant les amis, je voulais vous rappeler que la semaine prochaine, il y a un événement qui va se passer sur toute la semaine. Et bah du coup, soyez présents. Voilà, soyez carrément présents parce qu'il y aura une diffusion d'un certain projet qu'on a depuis un petit moment, qu'on va tourner là bientôt et qui va sortir la semaine prochaine. Et qui, vous allez carrément kiffer, ça va être diffusé sur 5 jours à la suite, tous les jours. Écoutez, on espère que ce projet
va vous plaire. Soyez au rendez-vous. Nous, en tout cas, ça va bien nous plaire. La cloche de notification. Rendez-vous tout de suite pour le résultat des citrouilles. Les amis, ça y est, du coup, là, vous avez le résultat des citrouilles. Je sais pas si vous nous voyez un petit peu. Non, j'allais dire la même chose. Juste ici, c'est Gabin. Et de l'autre côté, c'est Lily. On va éteindre la bougie. Il faut qu'on arrête de faire ça. Et donc écoutez, voilà. J'ai une envie de souffler sur les bougies, c'est ouf. Moi avec mon énorme bouche et Lily, son petit visage un peu tout qui part dans tous les sens. Trop mignon. Voilà. On dirait la tête de Michael Halloween, non? Un peu. On va vous prendre des photos, on va vous les publier sur Instagram. Et donc après ce sera à vous de voter en commentaire du dernier post qui traitera de ces petites citrouilles. De nous dire qui c'est qui a fait la meilleure pumpkin carving. La meilleure jack-o'-lantern en fait, voilà. Donc écoutez, moi en fait, attendez. Ouais, il y a un peu des petits bouts de citrouille qui pendouillent un peu à l'intérieur, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'est stylé quand même. On va vous prendre des photos, les amis. On espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, surtout vous abonner. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.